coûtait 600 avant. Ah oui, parce qu'avant, oui, il n'y avait pas les... Il n'y avait pas les portes de prison. J'avais oublié de les mettre. Donc résultat. Mais bon, voilà, on a 4 cellules de plus déjà. Ça avance. Ce qui veut dire que je suis à combien là? Je suis à 22. Je vais être plus 4, je vais être à 26. 26, c'est ça? Ouais, 26. Bon, je vais être à 26 cellules. À 26 cellules. Là, de toute façon, je peux rien débloquer de plus. Alors, au niveau des renseignements, on va jouer un petit peu avec ça. Donc, déjà, est-ce que j'ai des gangs? J'ai 3 membres de gangs. Alors, j'aurais envie de faire un truc, mais le problème c'est qu'il faut que je puisse faire un truc. Alors, donc, d'accord, et je peux pas mettre l'isolement maximal. Ok, d'accord, bon, bah, ça fait rien. Allez, hop, donc toi, je te recrute en tant qu'informateur, toi, je te recrute en tant qu'informateur, et toi aussi. Il y en a 2 autres. Voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu. Parce que les mecs, voilà, ils se baladent. Et après, ils vont venir me ramener des renseignements. Ta gueule. Je vais pas suivre un arbre. Sans aucun intérêt. C'est quoi le projet? Bon. Et vous savez ce qu'on va faire? C'est ça. Voilà, j'ai récupéré encore 2-3 trucs qui traînaient. C'est bon. Bon, bah pour le moment c'est relativement cool. Alors, il va me falloir un peu plus dans le déploiement. Il va falloir que je remette du monde un petit peu partout. Hein. Ici ce sera pas nécessaire. Et un garde à l'infirmerie. Ouais, un garde à l'infirmerie. 2 gardes à la douche seront suffisants. Un gars à l'admission sera suffisant. Au parloir faut du monde. Dans la salle commune faut du monde. Ici les mecs, un seul suffira. Il me faut du monde ici. Ok. Dans le personnel, j'ai 28. Est-ce que je peux... Oh, ouais, je peux engager un gardien de plus. Allez, hop. Ok, ok, ok. Bon, bah ça avance un petit peu. Je pense qu'on va entamer le time-lapse. Parce que de toute façon, là, il faut juste que j'attende un petit peu. Faut que j'attende de remonter mes finances. Donc, on se réaventure à reprendre masse prisonnier afin que je puisse redévelopper les cellules, et tant pis, ils vont s'évader, ils vont s'entretuer, enfin voilà. Allez, on va faire ça comme ça. De toute façon, ils vont arriver en plus vraiment dans peu de temps. Voilà, je vais gagner 60 000 d'un seul coup et j'ai 95 prisonniers qui vont arriver. Ça va être la merde. Je fous de la prison dans la merde, hein, c'est pas grave. Et puis ben, let's go, hein. Let's go, Mario.
Et tout de suite, le premier truc que je fais, c'est rembourser mon emprunt. Écoutez, de toute façon, je pense que là, il va rien se passer pendant la nuit. On va juste faire une petite ellipse. Juste le temps de faire passer la nuit pour vous, parce que là, il va pas se passer grand-chose d'intéressant. Je coupe et on se rejoint d'ici. Bah. Voilà, donc d'ici 30 secondes, mes nouveaux prisonniers arrivent. Voilà, donc petite coupure hein, ouais, allez, il y a 5 minutes quoi. Donc c'est bon, ils arrivent. Winter is coming. Pardon. Alors, première chose à faire, l'emprunt. L'emprunt. Donc finance. Ouais, hop. Voilà. Donc ça c'est bon. L'investissement à long terme, je suis à 44 heures de réussir. Alors, ce qu'il me faut déjà, c'est un peu plus. Non, pas là. Là, c'est un peu plus de gardiens. Tiens, j'en ai encore un qui a dû être tué ou je sais pas quoi. Alors. Est-ce que je peux en engager encore un peu plus? Allez, hop, on va monter à 40 prisonniers. À 40 gardiens, pardon. Gardiens de prisonniers, ouais. Ça marche aussi. Alors, ensuite, on va prendre la duplication. J'ai toujours ma cellule de sélectionner. Et je vais, hop, 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 hop. Et c'est tout. Et je vais déjà la dupliquer quelques fois. Ensuite, je vais agrandir ça. Et pareil encore, allez, 3, alors il me semble que ça passera pas, que ça passera, à vérifier, voilà, et on aura notre premier bloc de cellules de fait, alors je vais juste, ouais, je vérifierai juste que jusqu'au bout, je tombe juste. Et ce qu'on va faire également, c'est que ça, hop, zut, alors malheureusement j'ai pas le, attends, hop, on va faire ça comme ça, voilà, comme ça j'ai la base, et normalement ça c'est bon, hop, nickel. Et donc je vais pouvoir continuer mes cellules de voilà, vous m'avez compris. Et si je suis sur la bonne cellule, ce bâtiment-là, bah, je le dupliquerai à côté pour accueillir encore plus de prisonniers et donc atteindre les 50 cellules sans problème. Même si je pense qu'arrivé au bout de ce truc-là, je devrais atteindre les 50 cellules peut-être. Oh non, il va m'en manquer. Il va m'en manquer. Donc voilà, mais voilà. Au moins, je vais pouvoir. Hop. A voir si je tombe juste. Ah, un bloc près. Ouais, bah ça fait rien. Ça fait rien. C'est correct. Moi je dis c'est correct. Donc ça fait juste un bloc de plus. Mais c'est trois fois rien. Allez, on va redupliquer ça à côté. En béton. J'ai 16 000. Est-ce que j'ai assez? 4. Donc. De taille 13 hein. Et non parce qu'il me faut 19 000 apparemment pour dupliquer ça, enfin pour refaire le même bâtiment, donc c'est mort pour le moment, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va pouvoir avoir plus de choses. Alors
Il me manque également des portes d'isolement ici. Hop. Ok. Et je vais dupliquer ceci. Je vais chier la zone de texte là. Alors, hop. Comme ceci. Et il me faut 6000 pour encore dupliquer. Donc j'ai plus, mais là je vais pouvoir avoir des nouvelles cellules d'isolement. Toutes propres, toutes neuves. Allez, hop. Et je vais améliorer un petit peu le sol de ma prison avec l'argent qui me reste pour que tous mes prisonniers, tout ça, puissent marcher un peu plus vite. Non, c'est pas là, c'est dans matériaux. C'est mieux, c'est en béton. Ok, allez, hop. Donc, le max que je peux faire, bah jusqu'au bout en fait. Ouais. Non, non, non. Fais pas ça. Fais ça. Fais ça. Et fais ça. J'ai encore eu des décès aujourd'hui. La morgue. La morgue, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir la faire. Donc je vais la faire. Je vais la faire. Ouais, je vais la faire derrière l'infirmerie. Je vais la faire en bas là. Je vais la faire dépasser un peu jusque la cour. Ouais, allez. On va faire un assez grand. Oh, je sais pas si on a besoin d'un grand bâtiment. Ça va être la merde, hein. Dans tous les cas, ça va être la merde, hein. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Allez, on va faire ça comme ça. X 20, 50 x 20, allez hop, on est des fous. Et est-ce que j'ai juste assez pour faire ça? Juste assez pour faire ça, nickel. Allez hop, donc une porte de personnel ici. Et une ici parce que voilà, lui il veut une entrée, mais on peut l'annuler directement. Normalement, ouais, et normalement donc il considère que j'ai posé une entrée et que c'est bon. Ce que je vais faire également, c'est poser quelques lumières dans la cour pour qu'on y voit un peu plus clair. Parce que là j'ai une grosse zone d'ombre. Oh, je les pose un peu random. Il n'y a rien à foutre. Hop, hop, voilà, hop. Une petite constellation de. Voilà, on va démolir les arbres également. Voilà. Donc ils sont alimentés électriquement parce qu'il y a un câble qui passe pas loin. Ouais, c'est plus beau, voilà, c'est mieux, je veux dire, c'est mieux au niveau de la cour, quoi. Bon. Et ici, on va avoir. Donc pareil, on va descendre l'électricité. Hop, alors apparemment ici c'est pas suffisant niveau électrique, donc hop, on va faire un petit truc comme ça. Et ici on va faire une petite transversale. Voilà. Ah, il y a un petit dégradé de couleur en fait, j'ai pas vu, je n'avais pas vu ça. Donc, objet. Non, pièce d'abord, donc ici ça va être la morgue. Que de la joie de vivre.
Bon, j'en mets pas mal, hein. Tout ça pour anticiper les dégâts, bien sûr. Nickel. Allez. Oula, est-ce que je prends 25 prisonniers de plus? Allez, on n'est pas à 25 près. Et puis, j'ai de quoi les accueillir, maintenant. Pardon. Bon, ma vie avec la morgue, j'ai de quoi les accueillir. Bon, enfin voilà. J'ai toujours pas mis les détecteurs de métaux. C'est pas bien. Va falloir qu'on les mette arriver à un moment, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Un désastre a rendu inhabitable une section tout entière d'une prison proche. Il n'y a pas d'autre établissement, hein? Nous n'avons pas d'autre choix que de transférer ces détenus de notre prison. Ils arriveront bientôt. Quoi? Et combien? Vous, aucun, aucun. Là, je peux pas me permettre de prendre plus de... Ça, dans 22 heures. Non. Apparemment, la mission a été annulée. Quand j'ai bloqué la mission des prisonniers, ça a été annulé. Bon, bah... c'est tout, c'est tout. Admission. Si j'en prends un. Un prisonnier de haute sécurité. Ok, 47 prisonniers dans... Ouais, bon, ok. Allez, 47 prisonniers, peut-être. Je dis peut-être. Oh, toi! Tu vas avoir des ennuis. Le prisonnier qui est dans cette prison va avoir des ennuis. J'annonce. Parce que certainement que c'est un membre de gang. Ah non. Par contre, lui, c'en est un. Et en fait, on peut pas faire de travail dans les trucs... Bon, alors, il me faut... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais... C'est pas là non plus. J'ai pas assez de thunes pour ça. Ok, très bien. Bon, bah, ça fait rien. L'armurerie. Est-ce que j'ai assez de thunes non plus? Les chiens, tout ça, bon. Ce qu'il va me falloir, c'est un nouveau bureau, de toute façon. Et il va me falloir... plusieurs choses. Il va me falloir un juridique et on va commencer notre chasse au gang. On va commencer notre chasse au gang. Putain, sérieux quoi les mecs. Quasiment tous à l'isolement. En fait, il n'y a plus personne ici, hein. Quasiment. Ils sont soit tous à l'isolement, soit tous en cellule. Mais ouais. Alors que en cellule, je n'ai qu'un tiers de ce que je peux accueillir. Et me mettre en cours. Et galère. Et galère, galère. Ouais, bah ils s'évadent. C'est tout. Cette évasion, cette décès. Bon. Dont trois, apparemment trois de nos camarades.
trois de nos collègues, mais gardien de la paix avant tout. Enfin bon. Oh, ça va. Oui, je dédramatise tout. Ça va. Oh. Eh. Bon. Moi, je pense qu'il faut une buanderie. Je pense qu'il faudrait une buanderie et ça résoudrait quelques problèmes. Donc, on va faire ça. Et la buanderie, vous savez quoi? On va la faire ici. Pareil, on va la faire après la salle commune. Ouais, ça va faire des salles un petit peu qui se lient un petit peu. J'ai jamais fait cette architecture-là, donc j'aime bien. 1, 2, 3, 4. Ça change. Enfin, insuffisant, bien sûr, fallait s'en douter. L'investissement à long terme est dans 12 heures. Je réfléchis. Hein. Au niveau des subventions, je peux anticiper la cellule C sans prisonnier. Hop, répression des drogues, c'est fait. Bloc C, ouais, peut se faire. Ou l'investissement à long terme. Allez, je vais me lancer dans l'investissement à long terme. 167 heures. Dur à dire ça, 167 heures. Et puis bah c'est tout, hein. 4, hop. Et on va faire ça d'une longueur de 21 sur. Ah, oh, une buanderie, c'est pas très énorme à faire. Allez, pareil, je vais faire un. Ouais, voilà, allez. C'est bien ça. Hop, comme ça, et puis là. Et donc là, pareil, il va falloir que je fasse une porte de prison ici, une porte de prison ici que j'annule. Affaire résolue. Ok, désolé pour la coupure un petit peu brusque. J'ai tout simplement saturé mon disque dur une fois de plus, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, simplement, hein, j'ai terminé la buanderie, la salle de nettoyage. Alors, terminé, pas entièrement. Cette planche pose problème. Ok, bah je vais la revendre. Hop. Non, revendre. Non, va revendre, démonter. Hop, démonter. Voilà. Et il me manquait juste quelques paniers. Ouais. Il me manquait juste quelques paniers à linge. Ok. Voilà. Donc on était dans la mise au niveau pognon. Mais on va recevoir 16 000 dans 2 heures, hein, étant donné que l'investissement à court terme se termine. L'investissement à long terme, faut attendre encore 159 heures, mais je vais pouvoir reprendre tout de suite après une demande de subvention. Ce qui, ouais, ce qui me vaudra de me ramener encore un peu plus de sous. 300, je vais me prendre 3 paniers à linge de plus, de toute façon. Voilà. Ok. Apparemment, ça a été enregistré leur mémoire. Mais bon, ok. Allez, on a ce qu'il faut. En panier, oh, je vais peut-être en remettre une petite rangée au cas où. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Hop. C'est bon. Alors. Il nous manque quoi? Il nous manque quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, je vais déjà regarder qu'est-ce qu'on peut prendre en subvention par la suite. Alors, il y a l'éducation, l'intégration, l'engagement, etc. Si tu as plusieurs incidents dans l'entreprise, les chercheurs réalisent des études sur les distributions et les armes. Votre rôle consiste à essayer de les retirer des mains de votre population carcérale. On va voir. Alors, le bloc C à 100, on pourrait prendre ça. Là, on allait mettre au chien.
Bon, on a ça, hein. Buanderie, cuisine, salle de nettoyage. Hop, allez, on prend ça et ça va être direct. Alors, déploiement. Au niveau des gardiens. Voilà, il me faut deux gardiens. Au niveau de la logistique, parce que c'est ça, le travail carcéral, un max là-dedans, un max là-dedans. Et un max là-dedans. Ok. Mes prisonniers, on verra pour peut-être les accepter plus tard. Ok, donc là on a de la thune. On a de la thune. On a de la thune, on va s'en servir déjà pour une chose. C'est, je vais redupliquer. Là, entre deux, évidemment, j'ai quitté le jeu pour... voilà quoi, pour pouvoir traiter les traitements vidéo, hein, voilà, donc pour libérer de l'espace sur mon disque dur. Voilà quoi, les choses habituelles. Voilà. Aucun souci. Et donc là, j'ai toutes mes cellules d'isolement qui vont être créées assez simplement. Et avec 48 000, je peux même commencer à envisager de créer le deuxième bloc. Donc je vais voir pour peut-être essayer de zoomer juste ce qu'il faut. Non. Oh là, hey, oh, doucement. Alors. Non, pas assez. Voilà. Là, ça doit être nickel. Là, ça devrait être nickel. Donc là, je prends le béton, je fais 1, 2. 4, hop. Je vais jusqu'ici et je fais du 13. Du 13 fois 80. Voilà, nickel. C'est ça, hein, c'est 13, hein, le... Ouais, c'est 13. Ok, donc 13 et je vais poser les murs qu'il faut. Donc l'entrée déjà pour commencer, il va me falloir la porte de prison ici. Les deux murs de chaque côté. Et temporairement la petite porte du personnel ici pour qu'ils puissent accéder à leur lieu de travail. Évidemment, ils vont couper les arbres, ils vont faire tout ce qu'il faut. Et on va pouvoir faire les 52 prochaines cellules là-dedans, donc atteindre 100 cellules et donc terminer la justification de cette demande de subvention. Je l'ai pas pris. Subvention. Non, je l'ai pas pris. Ok, très bien. Je fais un petit truc. Hein. Donc ça, on s'en fiche. Ça, c'est la merde. Ça, c'est chiant. Ça, de toute façon, faudra qu'on le fasse. Ah oui, mais... Ouais, c'est la merde, ce truc-là aussi. On va voir s'il y a des trucs qui vont se débloquer après. Donc pour le moment je prends rien, mais je sais que je peux demander du pognon ici à n'importe quel moment. Entre guillemets, à n'importe quel moment. Donc démonter objet. Voilà. La porte qui est ici. Laissez-moi sélectionner la porte. Non, pas l'ouvrier, la porte. Voilà. Voilà, verrouillé normalement. Ok. On prend
ça. Alors pourquoi je prends qu'une cellule et pas plusieurs? C'est parce que ça duplique également les lumières et c'est chiant. Là au moins j'ai pris des cellules où il n'y avait pas les lumières et où ça posait pas de problème. Voilà, je vais pouvoir créer comme ça 19 paires encore de cellules. Donc peut-être le compléter entièrement. Non, des... Ah, va tenter. Ce truc bon et c'est nouveau d'ailleurs ça quand je passe là-dessus ouais j'ai le décompte de tous les tout derniers trucs ouais j'ai plus assez de fond ben j'ai plus assez de fond si j'en ai encore assez faut pas déconner voilà si je le prends hop j'ai assez pour terminer. Hop voilà c'est bon. Donc une fois que ça c'est construit, hop, j'ai mes 100 cellules. Et c'est réglé. Alors, ce que j'ai 3000, je vais tout de suite faire. C'est commencer... Ah oui, non. Faut que j'investisse d'abord dans autre chose. Faut que je termine les canalisations. Hop, voilà, comme ceci. Et comme ceci. Petite sauvegarde automatique. Et comme ceci. Avec au milieu, parce que sinon ça bloque. Voilà. Je vais regarder où en est mon générateur. Mon générateur est cool, donc c'est bon. Ici, j'ai mes employés, tout ce qu'il faut. Prochain truc qu'il faut que j'achète. Non, j'ai tout. J'ai 2000. Pour 2000, qu'est-ce que je dois? Alors, j'ai l'éducation à débloquer. Ça, je vais en avoir besoin. Et c'est tout ce que je peux débloquer pour 2000. Ok. Et donc j'ai encore 700. Donc mes blocs de cellules, 77. Allez les mecs, terminez de construire. J'ai 13 000 d'income. Allez, hop, deux ouvriers de plus pour aller plus vite. Alors, investissement à long terme, 136 heures. Et les 20 000 qui me manquent du bloc C, ça va venir. Faut juste qu'ils se dépêchent. Qu'est-ce qu'ils foutent? D'accord, en fait, vous attendez juste que... D'accord, ils étaient juste bloqués pour ça les mecs. Ben tout de suite ce que je vais faire c'est ça. Voilà. Comme ça, va y avoir des mecs pour leur ouvrir. Alors, des gardiens j'en manque. Donc ça il m'en faut plus. Dès que j'ai un troisième quartier comme ça, je vais... Ouais, je vais voir. Alors, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est ça, je le mets en high sec, ça en mid sec,
je laisse la cellule commune aux sécurités, aux basses sécurités. Ça peut se faire. Ça peut clairement se faire. Alors, il me manque les heures de travail. Et c'est pas compliqué. Le temps libre de midi, je le mets au travail. Hop, voilà. Comme ça, affaire réglée. Ils iront bosser. En logistique, j'ai tout mis. Hein. C'est bon, on est d'accord. Okay. Comme ça, on fait travailler les prisonniers. Pour les aider à se réinsérer. J'ai juste acheté quelques gardiens supplémentaires. Voilà. Au niveau de la zone de livraison, ça tient la route. Les ambulances, ça évacue les... Alors qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste combien? J'ai une dizaine de cadavres, mais j'en ai qu'un dans le dans la morgue. C'est pas normal. D'ailleurs, en parlant de la morgue. Je vais investir davantage. Voilà. Voilà, c'est juste au cas où. Au cas où il y aurait une riotte, hein, voilà quoi. Peut-être que des bancs de sport, ce serait peut-être pas mal pour à réinvestir dedans. Donc on va. On va réinvestir dans quelques bancs de sport. Voilà. On va également réinvestir dans quelques lits d'hôpital. Voilà, on a bien réinvesti. C'est plutôt cool. J'ai 20 000 qui vient d'arriver. Ah bah pour les cellules, tiens. Pour les cellules. Donc, voyons un petit peu. Au niveau des subventions. Donc bloc de cellule D. Arrivé à 200. Ça, il me faut quoi ça? Retirer les arrêts. Bon, on va voir. Ça va peut-être se faire tout seul, j'en sais rien. C'est peut-être avec les. En faisant une fouille générale. Je devrais peut-être pouvoir y arriver. Donc, la nuit prochaine, je fais une fouille. Là, j'arrête d'importer des prisonniers parce que, de toute façon, la prison est deux fois trop pleine. Cependant, j'ai des cellules d'isolement de dispo, donc ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec ces cellules? Oh, les toilettes sont pas installées, mais ça arrive. Ok, donc ça, c'est bon, hein, ça arrive. Donc ce que je vais investir, je vais plutôt investir dans ce pourquoi je... Enfin, un truc... ça fait longtemps que j'aurais dû les installer. Hop. 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 Et ça va nous remplir nos cellules d'isolement très rapidement. Et surtout le plus important c'est celui-là. C'est celui qui est à l'entrée. Et je vais tout de suite les raccorder électriquement. Oula, petit.
Wow, le jeu ralentit d'un seul coup là. Ouais, je suis à 12 FPS, je sais pas ce qui se passe. Commence à y avoir trop de monde déjà? Ici. Ici, il faut que je raccorde électriquement. Et il manque juste ici. J'ai une émeute. Il se passe quelque chose. 14. Où c'est? Hop. C'est dans la cour? On va essayer de résoudre ça sans faire appel au riot. Sans faire appel au riot. On va directement demander à nos gardiens de mater la révolte. On a 4 décès. Dont apparemment aucun gardien. Donc les gardiens vont se faire soigner. Est-ce qu'on a des morts? Oui, donc on a des morts. On en a un. On en a deux. Donc on a eu 5 morts au total. Bon, de toute façon, on va les voir arriver à la mort, certainement. Ah, ça a bipé ça. Bon. Si on a un gardien qui est mort. Eh merde. Bah, c'est tout, hein, ça va remplir notre. Mais comment ça se fait que j'ai des bâtiments encore en gris? Mon déploiement là. Ah d'accord, ok. J'ai personne d'attribué ici, donc il me faut au moins 3 gardiens. Ici, il me faut 3 gardiens. Ça donne quoi? Ça donne que je manque de personnel dans tous les cas. Faut quelqu'un en cuisine aussi. La morgue, ça sert à rien qu'il soit pour les mecs. À la douche, pareil. Non. À la douche, il faudrait qu'il soit pour les mecs. Dans la cellule d'attente 3, dans la salle commune. Ouais, non, faut qu'il soit 3 parce que c'est une zone potentiellement dangereuse. Le parloir. Non, il peut y avoir des révoltes là-dedans. L'admission à une personne, c'est suffisant. Bah non, en fait, j'ai assez de gardiens pour tous les postes. Ah donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, au moins maintenant le brouillard de guerre est dissipé partout. Presque partout. C'est pourquoi il y a. Il n'y a pas de gang pourtant ici. Pourquoi c'est pas raccordé ici les mecs? Bon. 13 000. Pas suffisant pour créer un nouveau bloc de prison. Pas un nouveau bloc complet, mais on pourrait commencer. Donc ici c'est bon. Il y a un macabre ici les mecs, faudrait peut-être l'embarquer. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, tout ça, c'est les mecs à l'isolement. Il y a de la baston ici aussi. Les mecs, t'as l'impression qu'ils peuvent nettoyer toute leur vie, quoi. Je vais engager plus de concierges. Pareil, j'en ai engagé une vingtaine, hein, pour qu'ils me nettoient la prison, hein, parce que c'est dégueulasse, là.
Et j'ai beau avoir des prisonniers qui nettoient la prison aussi. C'est crado quand même. Alors. On a encore de quoi faire, hein, sans problème. Alors, au niveau des pièces, qu'est-ce qu'il me manque? Donc je pourrais débloquer les chiens, je pourrais. Ouais. Ah bah oui, il y a ça. Il y a les salles de classe. Et ben on va faire ça. On va faire les salles de classe. On va faire les salles de classe, alors attendez que je réfléchisse. 6 x 3. 6 x 3, 18, c'est ça? Oui. 6 plus 6, 18, ok, 18, 18 plus 3, 19. Faudrait faire du 19 sur 19, plus 2, ça fait du 21 sur 21. Ok, très bien, il me faut une salle de 21 sur 21. Pour que je puisse avoir 9 salles de classe côte à côte. Petit calcul rapide, hein. Alors, il me faut des briques, je vais faire ça en briques. Tout ce qui n'est pas bâtiment purement carcéral, je le fais en briques. 1, 4. Ça change strictement rien, c'est juste esthétique. Donc ça, normalement, j'en ai assez pour mettre 9 salles là-dedans. Techniquement. Parce que c'est du 6 x 6, hein, c'est ça. Donc je peux mettre. Attendez, pause. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un couloir. 1, 2, 3, 4, 5. Ça bloque. Ok, il faut pas du 21 x 21, il faut du 22 par 22 certainement. Donc, annulez-moi ça. 4. Donc je vais mettre du 20. Allez, soyons fous, du 25 pour 25. Et là, normalement, j'ai de quoi mettre mes 9 classes dedans. Hop. Ah, j'ai déjà plus de thunes. Putain, ça part vite quand même. J'ai du bois certainement à revendre. Ouais. Voilà, 7000 de bois direct. Genre les mecs, en fait, y a plus de gardiens pour aller chercher les prisonniers, quoi. Bien, j'en ai. Allez, hop, 55 gardiens et je vais attendre la prochaine tournée de pognon. Ah, puis j'avais dit que je ferais une fouille pendant celui-là, tant pis, ça attendra la nuit prochaine. Donc, ici on est bien, alors. 500, je peux au moins tirer un mur. Un petit mur, mais ouais. Ici, ce mur-là, je vais l'agrandir, hein, quand même. Je vais l'agrandir un peu. Oh purée, on n'est pas sorti d'affaire quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Je réfléchis. Hein. Bah, il n'y a qu'une solution, je vois qu'une solution pour remonter le pognon d'un coup. Bon, écoutez, vous savez quoi? On est quoi? On est en temps libre là? Allez, fouille. On va fouiller, on va bien voir s'il y a. Si c'est ce qu'il fallait faire pour retirer
Les réserves d'outils volés. Ouverte. Trop dangereux, il y a un problème. Il y a eu des évasions. Comment il s'est retrouvé là, lui? Ok, allez, hop, j'en ai assez pour clôturer ça. Et dès que ça c'est clôturé, voilà, j'ai plus qu'à détruire ce mur. Oh bah ils ont dû se barrer par la porte de service en fait, tout bêtement. Ok, j'ai combien? J'ai 900. Pas des masses, mais voilà. Bon, il y a des endroits qu'ils arrivent plus, qu'ils n'arrivent pas à fouiller. Alors, on va arrêter là. Là-bas, je suis con. Il y a les trucs là-bas qui sont pas alimentés. Je vais le faire. Bon, l'électricité déjà, pas compliqué. Voilà. Ensuite la flotte. Alors la flotte, ça tape. Comment il a réussi à se barrer, lui? Il me faut des maîtres chiens. Il me faut des maîtres chiens. Parce que là, il y a des tunnels. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais cliquer sur cette icône là. Et débloquer les chiens. Et donc je vais tout de suite anticiper le chenil. Je vais tout de suite anticiper tout ça. Donc le chenil, on va le faire là, le chenil. Ouais. On va le faire là. Allez, hop. On va le faire derrière la salle du personnel. On va faire un chenil assez grand pour accueillir un max de chiens. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Non, pas 5. 4 seulement. Ça soit 16? Plus que ça. Allez, ça. Quoi, j'ai passé... Oh putain, j'ai passé de thunes. Nettoyage d'outil, comment ça marche ça? Nettoyage d'outil, à la suite de plusieurs incidents dans d'autres présents. Intelligence. Information.
Ok, j'ai plus qu'un seul informateur en plus. Activate. Activate. Bon, bon, il va faire... il va canner. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas pourquoi, il est pas... Il est... Ah bah oui! Je suis con! Mais oui, j'ai pas de salle de sécurité, ils peuvent... Les informateurs, ils peuvent rien dire aux gardes, il faut qu'ils aillent à la... À la salle de sécurité. Et j'en ai pas. Bon. Quel idiot. Bon.